Donc, ben, on est toujours, je sais même plus quel jour, le même jour que tout à l'heure, mercredi. Il est 18h10. Donc, je vous reprends quand même pour faire suite à ma mini vidéo de tout à l'heure. Alors, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas d'intro. Mais je veux juste vous montrer la vraie vie. Hein. Donc, alors, comment ça s'est passé? Le propriétaire a appelé quelqu'un pour venir déboucher, mais il m'a dit il viendra dans l'après-midi, je sais pas à quelle heure, ça continuait de couler et tout ça. Et la voisine, c'était pareil de son côté, donc elle aussi, elle a une petite de 2 ans. Alors elle a pompé avec une ventouse, elle a mis du déboucheur, plein de déboucheurs, et d'un coup, c'est parti. Bon, il était trop tard. Il était trop tard, il y en a eu partout. Mais bon, elle a réussi elle-même à le déboucher. Donc, ben, j'ai passé une bonne partie de mon après-midi à essayer de nettoyer un peu. Hein. Là, j'arrête pour aujourd'hui. J'ai fait le plus gros. J'ai fait le plus gros du sol. Je peux vous montrer, j'ai fait le plus gros de la douche. Hein, c'est pas pareil. C'est un peu mieux. Mais là, j'en peux plus, là. En plus, pour en rajouter une couche, il y a un de mes enfants, dont je ne citerai pas le nom parce que ça ne sert à rien, qui m'a renversé une bouteille pleine de grenadine par terre. Donc, en dehors de toute la merde, la grenadine, ben, je vous assure, c'est encore pire que la merde. Pire. Ça colle, mais puissance. Mais là, j'arrête, là. C'est bon, j'ai nettoyé plus gros. J'arrête. Donc ben là ils sont en train de jouer à la console. Hein. De toute façon les pauvres, ils ont été assez embêtés avec ce qui se passait. Pépé m'a fait quelques courses. Alors je lui ai dit bon du coup plus besoin de déboucheur. Il m'a dit si je vais t'en prendre un, je vais prendre plus cher en plus. Au cas où, si ça revient, non mais. Donc j'ai eu là. Il a pris à Brico Dépôt. 12 euros je crois. Après, il me dit, tu veux des trucs à manger? J'ai dit, écoute, ouais, parce que même faire des pâtes, je vous avais dit dans une précédente vidéo, même faire des pâtes, là, j'ai pas envie. Il faut les faire cuire, les mélanger, les mettre dans la passoire, c'est plein d'huile, parce qu'il faut mettre de l'huile pour pas que ça colle. J'ai dit, écoute, prends-moi une grosse surgelée de lasagne, parce qu'en plus, les enfants, ils mangent énormément, une grosse surgelée de hachis parmentier. On fera moite-moite en 4 en 4. Donc, dans l'assiette, il y aura une partie lasagne, une partie hachis parmentier. Ça fera très bien l'affaire. Et vu que Pépé est toujours là pour moi, bah, il me les a ramenés. Hein. Je lui ai dit, prends du Auchan, hein, surtout. Ça sert à de prendre la marque. Prends du Auchan, c'est pareil. Il m'a pris du Marie. C'est Mathieu qui lui a dit. Gentil, hein. Il y a du bon an, prends du mari, ça sera bien meilleur. J'ai une bonne famille, hein, quand même. Faut le dire. Donc, sinon, pour en revenir avec cette histoire-là. Donc, je sais plus. C'est difficile, hein, aujourd'hui. Je suis épuisée avec tout ce stress. Donc, le propriétaire avait appelé un déboucheur, mais après, je lui ai dit que ça avait été débouché par nous-mêmes. Par ma voisine. Donc j'ai dit, ça sert à rien de faire venir le déboucheur 350 euros de sa poche, un peu de la mienne. Hein. De toute façon, je les ai pas. Que c'est débouché. Mais je lui ai dit, par contre, il faudrait vraiment trouver une solution. Moi, c'est plus possible, quoi. Je suis là dans la merde avec mes 3 enfants. J'ai rien et tout a été humide, mouillé, et tout. Je vais devoir jeter des trucs, là. Hein. Mais ça, je regarderai dans les jours à venir parce que là, j'ai aucune envie de regarder ce que je dois acheter. Ou pas. Donc il m'a dit qu'il venait mardi parce qu'il n'habite pas du tout dans le coin, il n'habite même pas dans la région. Et qu'il m'a dit je ferai venir un plombier pour mettre une caméra dans les trous pour voir. Bon bref, j'ai rien compris mais je vous tiendrai au courant. Hein. Bah, j'espère que d'ici là ça ne reviendra pas parce que là c'est. Je vous avais dit hein, tout à l'heure, j'ai déjà eu ça. Mais pas que ça débordait. La douche, elle était au
deux tiers pleines, mais pas à déborder comme ça, à déborder tout à l'heure. Bon, en tout cas, voilà. Sinon, les enfants vont bien. Julie va bien. Luigi dort. J'ai franchement pas eu le temps depuis ce matin de lui mettre des gouttes dans son œil. Je le ferai demain. Là, j'ai fait tout le nettoyage. Je me pose maintenant. Ouais, vaut mieux. En tout cas, vous inquiétez pas pour nous. Ça va aller. Comme toujours, hein. Quand ça va pas, bah après, ça va mieux. Il faut. En tout cas, merci pour tous vos commentaires. Donc sur bah, les deux précédentes, celle que je vous avais fait ce matin et puis la très courte de ce début d'après-midi. Ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas là aujourd'hui. Je vous répondrai tous demain ou dans les jours à venir, il n'y a pas de problème. Et puis bah, vous aurez aussi mon vlog semaine vendredi. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Profitez de votre vie, profitez de vos familles, de vos animaux. Et je vous fais plein de gros bisous parce que vraiment vous êtes presque tous géniaux. Bisous.